Le principe pour que Dieu agisse dans la vie de quelqu'un qui le cherche, c'est la foi. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Ce n'est pas la prière de celui qui prie pour toi. Sinon, lui, il a la foi. Mais c'est la foi de celui pour lequel on prie. Vous allez me dire, mais j'ai la foi, c'est pour ça que je ressens, c'est vrai. Il y a beaucoup de formes de foi. Celui qui prend la voiture, celui qui prend l'avion, il a peur, mais il a la foi qu'il va arriver à Paris. Vous savez ce que j'avais pris l'avion, il y a ce qu'on appelle turbulence. Quand tu dis ça, tu vois tous les sorciers de ton village dans la vision. Tu te dis peut-être que c'est eux qui sont là. Ils t'attrapent ton cœur. Tu es déjà dedans, tu es comme Capri-Mort. Si ils m'ont vaincu, ils n'ont pas me vaincu. Mais tu réfléchis, tu as dit bon. C'est par la foi aussi qu'on prend le cas. Quand le cas, tu t'enlèves d'Abidjan à Digo. C'est la foi. Tu crois. Tu n'as jamais pensé que tu as fait accident. C'est une foi. Quand la dame m'a trouvé quitte au marché, fallait vendre l'auberge, tombeau, tout ça. C'est la foi. Tu lui dis, bon, si tu fais, ça va marcher. C'est une foi. Voilà. Mais cette foi-là, elle n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la foi en Dieu. Ça, c'est la foi qu'on a tous les jours. Je suis enceinte, je sais que cet enfant, je vais le mettre au monde. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. J'ai l'impression qu'on regarde ailleurs, suivez-moi, s'il vous plaît. Parce que la foi vient de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Alors, je veux booster ta foi par la grâce de Dieu, te faire comprendre certaines choses pour que tu sois agréable à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais ne sont pas agréables à Dieu. Parce que ce que Dieu recherche, il ne voit pas. Or, l'élément que Dieu cherche, c'est la foi. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez jamais plaire à Dieu. Il y a des gens qui prient, mais n'ont pas la foi. Tu peux aussi gêner, tu n'es pas avoir la foi. Or, ce que Dieu aimerait, c'est d'avoir la foi. Donc, je vais vous expliquer la foi qu'on a tous les jours, au quotidien. Je me lève, je vais dormir, je vais me réveiller. Ça, c'est la foi. Mais ce n'est pas la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est quoi? On dit la foi en Dieu. C'est confiance qu'on place en Dieu. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. La foi de tous les jours, je me réveille. Ça, tu crois. Ça, c'est ta propre croyance. Tu crois. La foi, c'est une croyance. C'est la confiance qu'on met en ce qu'on fait. Voilà. Maintenant, la foi en Dieu, c'est la confiance qu'on place en Dieu. Alors, c'est encore un autre domaine. Pourquoi? Parce que la foi en Dieu nous amène à comprendre que Dieu n'est pas comme nous. On dit Amen. Amen. Dieu n'est pas limité. Peu importe les informations que l'on a reçues, peu importe ce qu'on veut nous dire, peu importe ce que le médecin nous dit, le médecin dit, ah! Et puis le médecin, lui-même, quand il prend ton dossier, il dit papa. Lui-même, il dit papa. C'est sérieux, hein? Ça dit que ton cœur bat déjà. Et puis, il a porté les lunettes. Donc, il a dit, dans ses petites lunettes en bas, il te regarde comme ça. Suivez-moi. Ton cœur bat, elle, sa blouse blanche, là. Ton cœur bat déjà. Ça dit, tu-même, il te tue. Tu le suis, point. Et puis, vous partez. Et il dit, asseyez-vous. Tu t'assois. Et dès que tu t'assois net, il dit, bon, c'est sérieux. Non, ton cœur pas encore. Ça dit, il te stresse encore. Voilà. Puis, il en est le langage des médecins bizarres. Ça dit, il parle, quand tu dis ton seul problème, Nakati. Non, ton cœur est mort. Ouh là là, mes proches sont en train de me tuer. Moi-même, je savais. Ah, maintenant, tu dis, je savais que moi, mon problème, là, ça n'allait pas se résoudre. Et puis, tu dis, t'annonce le cancer. Toi-même, tu sais qu'en âme et conscience, vous me suivez le cancer. Tu sais qu'en âme et conscience, le cancer, ça ne se guérit pas. Et c'est la mort, il entend t'annoncer. Donc, ton cœur se déchire. Tu vois déjà, tu vois comment on prépare tes funérailles. Tu vois, toi, tu es fâché. Et janvier prochain, il fait comment mes enfants. Ton cœur bat. Lui, il te dit, bon, madame ou monsieur, bon, c'est accepter. Qu'on fait la chimio, parce que c'est la seule solution, parce que vous n'allez pas guérir. Vous voyez, non? Il te propose, il te dit en même temps que vous n'allez pas guérir. Okay. Il a raison parce que c'est ce qu'il a appris. Il a appris la science. Il n'est pas dans le nom, Jésus va agir. Non, tu ne vas pas te dire Jésus va agir. Lui voit après de Jésus va agir, là, comme on est malade. Hein? Voici le cancer, Jésus va agir comment?
C'est là où quelqu'un, tu crois qu'au-delà des limites des hommes, vous comprenez, des limites des hommes, où ça règle la force de l'homme, commence Dieu, qui est le plus grand scientifique. On ne dit pas, oh, je fais ma soigne, je mon placaline, je suis arraché. Vraiment, je reste dans mon secret, il fait comment? Non, ça c'est tu es vécu. C'est là que toi-même tu commences à comprendre que ce qu'il vient de te dire, c'est vrai, il a parlé, mais tu n'acceptes pas. Il va te trouver bizarre. Tu n'acceptes pas. Pourquoi? Parce que tu fais maintenant confiance à Dieu. Donc tu te dis, cette maladie dont il vient t'annoncer, monsieur, c'est pas de moi que tu parles. Tu vas te regarder, vous dites quoi? On va te demander. Souvent, on va te dire, mais attends, oh, tu es trop stressé, donc c'est ça, peut-être tu es un peu plus malade, si tu es troublé. Or, ta foi n'accepte pas. Il y a des paroles, il ne faut pas accepter. Parce que si tu acceptes, c'est comme une semence. C'est comme il a semé ça que tu as accepté. Parce que la parole est une semence. Amen. 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 Marc 4, verset 14. Et le semeur sème la parole. Marc 4, le verset 14. Le semeur sème la parole. La parole, c'est le semeur. Lui, il a dit. Tu as dit non. C'est vrai ce qu'il dit. Mais moi, j'ai la foi en Dieu et je sais que je vais guérir de ce mal. Donc, je refuse. Je suis allé à Abidjan. Car tout est ministre, en gris. Je quitte la rivière. Hein. J'ai des maux de tête, parce que. Et puis je m'en vais. Je suis en train de partir. Voilà. Je veux rentrer chez moi. Je sens des maux de tête. Je dis, bon, je vais dans une clinique. Je vais essayer de voir ma tension. Mon travail, là, on est trop stressé. Mon épouse, j'ai mangé cuisse d'ajoie. J'ai mangé le nez de René. J'ai mangé ça stress. C'est fatigant. Donc, je dis, bon, je vais prendre. Je m'en vais dans la clinique, et puis on met la tensiomètre. Bah, quand le gars a vu, il me met là, il me dit, s'il vous plaît, couchez-vous. Il me dit, couche-toi. Ça dit lui-même. J'ai dit, vous dites quoi? Il dit, non, couche-toi. J'ai dit, mais comment? Il dit, ta station élevée, c'est 28. Tu lis des trucs. J'ai dit, mais j'ai marché. Il dit, mais c'est ce qu'il comprend pas. J'ai dit, mais c'est pas moi. Il dit, non. Mais voyez ça, il dit, mais c'est pas moi. Il dit, non, mais vous dites quoi? Il a changé dans son nez, il a fait. Il dit, mais couchez-vous. Ça dit, il ne veut pas comme inquiétude. Je dis, non, ce n'est pas moi. Il dit, mais c'est vous. Il a dit, mais regarde, mais ce n'est pas moi. J'ai marché, je suis venu ici. Ouais, bah, je suis venu, je crois, tu veux me donner. Il dit, mais ce n'est pas moi, c'est le résultat. Il dit, c'est le résultat. J'accepte pas ça. Amen. Amen. Donc, il prend le troisième. Il prend le troisième, il met fou. Il dit, bon, attends. Il ne comprend pas. C'est 12. Si on voulait me faire, mais c'est l'homme va descendre parce que moi, tu as descendu. Quelle façon. Lui-même, il regarde jusqu'en. Il est paniqué. J'ai refusé. Il n'a m'a plus placé le truc. Et je suis parti. Eh mon tchourou. Vous connaissez nous là, quand on n'est pas d'accord, on fait tchourou. Même si on est peut-être profond, on fait petit tchourou pour dire, mais attends, il est là, il trahit les sorciers ou bien. Je n'ai rien. J'ai eu petit, j'ai donné non, quoi. Dans le numéro, quoi. Ah, lui, il trouve ça normal. C'est vrai. C'est ce qu'il a peut-être trouvé. Mais moi, je refusais. Quand ma foi a refusé ça, c'est fini. Les données ont changé. Les données scientifiques ont changé immédiatement. La foi voit les choses, tu vois, et puis tu comprends que ce que je suis en train de voir, même si c'est parce qu'on ne veut rien, moi, ma foi dit, je n'accepte pas, ce n'est pas possible. C'est ça la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Elle se démontre. Alors, dans la démonstration, ce n'est pas crier. Il y a des gens, la foi, ils pleurent. Non. La démonstration, ça dit, tu as même la négativité dans ta tête. Et tu acceptes que les choses vont aller comme tu veux. Vous savez, c'est comme vous voulez que Dieu travaille. Selon Dieu, on ne peut pas l'arracher le miracle. Dieu, on ne peut pas l'empêcher de faire ce qu'il peut faire. On ne peut pas. Tu ne peux pas empêcher Dieu de faire un miracle. Sinon, il est toujours prêt à faire le miracle. Mais ça dépend de comment.
tu te trouves dans la position dans laquelle tu te trouves. C'est en fonction de ça que Dieu fait le miracle. Jésus rencontre un monsieur qu'on appelle Bartimée sur la route. Alors, Jésus dit à Bartimée, à Jéricho, qu'est-ce que tu veux? Bartimée d'avoir crié, Jésus il a prié. Vous savez, la foi, elle n'est pas collective, elle est individuelle. Souvent, il y a des gens qui disent, non, c'est bon, la maladie que tu as. Parce qu'il y a des gens, il y a des ennemis de la foi. Il y a des gens qui sont autour de toi qui peuvent affecter ta foi. C'est pour ça que par moment, quand tu veux aller dans les grandes dimensions avec Dieu, il faut assainir ton environnement. Les choses, les gens qui parlent de toute façon contre ce que toi tu crois, il faut qu'ils puissent les quitter. Sinon, ils vont affecter ta foi. Ils vont affecter. Il y a des gens qui disent, non, Bartimée, tais-toi. Parce que Jésus n'a pas besoin de toi. Regarde comment tu es. Tu sais. Là, ce manteau, ça, là, depuis. Or, Bartimée, ça veut dire Bartimée, fils de Timée. C'est richesse. Les gens qui sont nés dans la richesse. Et regardez ce qui s'appelle aujourd'hui. Il est devenu pauvre. Il porte un nom. Et pourtant, il est pauvre. Mais il y a des gens comme ça. Leur destinée, c'est la gloire. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est la maladie. Il y a des gens qui sont sur sa maladie. Juste là, j'étais un truc quelque part dans le magasin d'un monsieur, un blanc ici. J'ai fait la commande, je n'étais pas là. Et puis, il m'a dit, il faut passer quand même. Je passe, il me regarde droit dans les yeux, il dit, tu es chanceux. Mon nom s'appelle Djoro, je m'appelle Krasso Djoro. Djoro, ça veut dire chance. Il dit, oh, peut-être que c'est ça qui agit. Il dit, c'est ça qui agit. Ce n'est pas peut-être, ça agit chez nous. Vous comprenez? Donc, son nom était là, mais il y avait une négativité dans sa vie. Encore les menus madians, c'est de la pauvreté extrême là. Pauvreté, extrême pauvreté. Alors, il fallait qu'il crie pour que Jésus change son identité spirituelle, sa condition de vie. Il y a des gens qui sont là, comme ça. Et vous savez, il y a des gens qui se plaignent dans leur situation. Moi-même, là, c'est comme ça. Ma maman a eu sa pied gauche, là, ça fait mal. C'est dans ma famille. Il y a des de quelqu'un. Nous-mêmes, à un certain moment, on est comme ça. C'est comme ça. Oh. Ça ne fait rien, c'est comme ça. Si Dieu a pitié de moi, il va faire. Vous voyez, on met ça dans la pitié. C'est-à-dire, on se dit, non, si Dieu veut, tu vas mourir. Frère, tu vas mourir dedans. Dieu veut. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Alors, lui, il n'acceptait pas. Alors, donc, on est dans la présence de Dieu. Et regardez ce que Bartimée a fait. Bartimée n'a pas accepté. Il n'a pas dit non, tout compte fait, le nom là-même, je porte ça, ça ne me poursuit pas. Ok. Dieu change. Ils l'ont empêché. On peut t'empêcher. C'est pour ça que vous dites, votre foi peut vous sauver. Il y a des gens qui vous voient, ils se disent que c'est fini. Moi, il y a des enfants qui j'ai mis à la fondation. Les parents disent, lui là, est-ce que lui il a été changé? Il a une main, il vient hein, de l'homme. J'ai dit, il va changer. Les enfants aujourd'hui sont meilleurs de leur classe parce que j'ai cru en fait. Il fallait créer la condition. J'ai cru. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne viendra faire ça à votre place. Si vous n'avez pas foi, personne ne viendra faire ça à votre place. Alors, Bartimée a crié, les gens l'empêchaient. Alors, dans la foi, dis-toi que pendant que tu es en train de prier, pendant que tu rentres dans le processus de prière, prière veut dire demander à Dieu. Alors, quand tu demandes à Dieu, oublie le passé, oublie ta situation. Dis-toi qu'immédiatement, le miracle est en train de se faire. Et fais ce que tu n'as jamais fait. Vous comprenez? Amen. Peut-être qu'il y a un moment, ce que tu n'as jamais fait, lève-toi et marche. Commence à vivre ta vie. Et tu verras la main de Dieu. Parce que dans la foi, il faut être une foi agitante. Pourquoi agir? Bartimée, pendant qu'il a, il a crié plus fort, c'est ça la foi. C'est ce qui a interpellé Jésus. Jésus s'arrête, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, homme, je vais guérir. Voilà. Jésus s'arrête pas. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Jésus sait très bien. Ce dont vous avez besoin, il y a des gens qui vont, ils viennent prier, mais ils ne savent plus. J'ai un mot de tête, je vais me marier, bon, je vais voyager. Mais attends, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, ils ont tous les sujets. C'est-à-dire, ils viennent, mais ils ont tous les sujets. Ce n'est pas mauvais, mais ils ne sont pas objectifs. C'est-à-dire, il faut bien présenter ta demande. Tu es là pourquoi? Je veux retrouver la vie. Il dit que cela soit fait selon ta foi. Il dit, n'a pas dit selon ta foi. Que cela soit fait selon ta foi.
Et c'est selon sa foi qu'il a été guéri. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'homme de Dieu qui vient prier. Il lui prie, mais celui qui guérit, c'est Dieu en regardant ta foi. C'est ta foi qui va regarder et qui va te guérir. Donc, vous avez bien dit que je suis chez les gens. Sans si vous attendez la prochaine, vous ne priez pas tout là-bas. Sans être débarrassé, on a fini de manger. Amen. Je vois les gens. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Je suis chez les gens. On vient de manger, tout ça, sans être débarrassé la table. Je suis chez les gens. Voilà, donc, j'attends trop de fichiers, de Dieu, que Dieu nous aide. Amen. La faim, c'est quelque chose qui est très dangereux. Quand tu as faim, on vient en témoin. Bon, que Dieu nous aide. Donc, ta foi peut te sauver. Si tu as la foi. Ouais, on va battre ce mot. Ta foi peut te sauver. Donc, qu'est-ce que tu veux? Si tu as la foi, tu verras le miracle de Dieu. Tu verras l'intervention de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Jésus qui agit dans ta vie. Si tu crois, tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi d'autres reçoivent le miracle et d'autres ne le reçoivent pas? Non, moi-même, c'est comme ça. Quand il m'avait chez les marabouts, on m'oublie, le marabout même là. Frère, tu n'es pas chez un marabout. Ça était toujours comme ça. Nous, on doit prendre les gens, je suis le gardien, on ferme les portes. Et quand je ne suis plus là, ça s'ouvre. Mais maintenant où tu es là, ça c'est le passé. Est-ce que tu crois à ta délivrance? Oui, si tu crois, Dieu est en train de faire des choses, Dieu va te délivrer. C'est tout. C'est à toi de comprendre que Dieu est en train de faire le miracle. D'autres disent, mais comment ça s'est passé? Comme un film, ça dit, mes pieds vont se lever comme ça. Moi, j'ai senti quelque chose qui va traverser mes pieds. Non. Les gens attendent ça. J'attends. Ça va traverser mes pieds. Non. Fais ce que tu n'as jamais fait. Dis ça. Regardez ce qu'il a dit aux disciples. Les disciples l'ont dit. Ils l'ont dit, Jésus, toi-même, tu sais très bien que ici, là, on ne peut pas gagner poisson. Tout le monde, là, quand nous regardons, nous sommes experts en pêche. Mais sur ta parole, vous comprenez? Sur ta parole, nous allons jeter le filet. Nous jetons le filet. Ils ont jeté le filet, ils ont eu le miracle. Vous comprenez? Amen. Donc c'est par la foi que vous allez agir. C'est par la foi que Dieu va se manifester. Sinon, si j'avais le miracle dans ma poche, j'allais distribuer à chacun. J'allais distribuer à chacun. Mais j'ai ma foi. Je sais que Dieu agit. Je sais que Dieu se manifeste. Alors si vous avez la foi en Dieu, vous verrez la main de Dieu en train de se manifester dans votre vie. Il le fera. En fonction de votre foi. Amen. 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 Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Qui a la foi ce soir? Je sais que tous les mains seront à l'air. Ça. Faut pas mentir, hein? Dieu n'est pas le mensonge. Le mensonge, c'est un péché. Vous avez la foi? Amen. Alors, je veux croire que c'est vrai. Voilà, je veux croire que c'est vrai. Mais la foi doit t'accompagner quelque chose. Alors, tu dis, tu as cru, là. Et forcément, tu vas avoir un signe. Il n'y a pas quelqu'un qui a cru une fois en Dieu, qui n'a pas vu Dieu agir. Non, ça n'existe pas. Quand tu crois en Dieu, tu vois toujours la manifestation de la puissance de Dieu à l'œuvre. Amen. Amen. J'ai prié pour une soeur un jour. J'ai prié pour elle. Et cette soeur, elle avait vraiment la foi. Elle avait tellement la foi qu'elle croyait. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a rien senti dans son ventre. Elle allait dormir. Et elle croyait, elle dit, je crois, papa, que Dieu m'a guéri. Elle allait dormir. C'est la nuit, là, elle a vu que son ventre a secoué un peu. Elle allait aux toilettes. Tout fibrom l'est descendu. C'est fini. Elle n'est pas tombée. Comme les autres. Mais elle dit, je crois que je suis guéri. Je crois. J'ai foi. Je sais que je suis guéri. Et Dieu a fait le miracle. Elle n'a pas dit, non, pourquoi je ne suis pas tombée comme les gens? Pourquoi moi, je ne tombe pas depuis? Il y a des gens qui viennent. Pourquoi moi-même? Tout le monde tombe et je ne tombe jamais. Ah, si ça fait de tomber dans la fin des miracles. Et ça fait de tomber. J'ai qu'à tomber, je suis trop possédé. Mais attends, je suis trop possédé. Je suis très possédé. Mon démon est trop têtu. Mon prix, il ne bouge même pas. Ce n'est pas fait de frapper le démon qui est têtu. C'est une question de la foi. Si tu as la foi, si c'est un démon têtu, est-ce qu'il est le plus puissant que Jésus?
y a quel démon qui est plus puissant que Jésus? Si il y a quelqu'un qui l'a bouge pas, c'est que toi-même tu ne crois pas. Il n'y a pas un démon plus quelqu'un que Jésus. Non, le nom de Jésus, c'est un démon, c'est un nom qui fait que les démons s'inclinent. Fléchissez-nous. Il n'y a pas un autre nom plus puissant que ce nom. Quand ce nom est prononcé, les démons fléchissent. Qu'est-ce qu'on m'a dit, Sergi? Amen. 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 Si vous croyez à votre miracle, Dieu merci. Si vous croyez à votre miracle, vous allez voir. Le Seigneur va opérer des grandes choses. D'autres disent, pourquoi le prophète ne touche pas ma tête? Mais c'est dangereux. Pourquoi vous pensez que vous limitez ça si après de toucher? La femme, il y a une femme, un exemple dans la Bible, d'une femme qui avait peur de sang. Elle dit, je m'en fous. Si Jésus ne m'a jamais vu, si je n'ai jamais plus de rendez-vous avec Jésus, mais je suis convaincu que si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle n'avait rien à voir Jésus, mais sa foi. Donc, je peux être à distance, comme aujourd'hui, à Paris, prier pour toi. Et puis, dans les minutes qui suivent, tu peux recevoir quelque chose. Si tu penses que, ah non, ça n'a pas duré, ça n'a rien à voir de durer. Une prière même de 2 minutes, une prière même de 3 minutes, une prière de 5 minutes se fait, même si on ne te pose pas les mains. Si tu crois, tu te lèves, tu marches. Amen. Quand tu les pries, fais ce que vous n'avez jamais fait. Jésus a dit à ce monsieur, veux-tu guérir? Mais il n'y a personne. Ce n'est pas quelqu'un qui a venu te faire lever. Il n'y a personne qui me met dans l'eau. Lorsque l'autre a dit, lève-toi et marche. Il n'a pas dit, je te saisis. Il dit, lève-toi. Lève-toi. La foi nous amène à agir. Il a fait une foi agitant, il ne t'amène à agir. Il y a la part de Dieu, il y a ta part. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Amen. Il y a 23e mois ici, je vais prier pour vous par la grâce de Dieu. Excusez-moi si je veux que je prie pour vous, parce que je dois me déposer tout de suite. Je suis avec quelqu'un qui va me déposer. Non. Je vais prier pour vous, amen. Amen. Pourquoi vous prie il y a on a parlé de foi. Ce n'est pas de ma faute, hein. Les conditions, je les réunis, je fais ce que je peux. Et c'est votre foi qui agit après. Je ne suis même pas ma résidence, je suis dehors. Je suis venu moyen chez les gens, c'est quelqu'un qui me conduit. Demain, ici, on travaille. Ce n'est pas mon chauffeur. Il me rend service. Donc, si il veut rentrer, je rentre à lui. Voilà. Ici, c'est comme ça. Ici, le ministère, souvent, dans les trucs, je devais faire là. Ben, je suis obligé de verser, vous avez dit, ma nourriture. C'est là même, je vous dis, je laisse m'occuper de vous. Parce que je trouve que c'est plus important. Je peux manger après. Amen. Amen. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Votre amen, là, c'est... Est-ce que ça va? Amen. Le petit qui a été délivré de la sorcellerie, il est là. Petit vient. Son parti. Non, il est là. C'est sa maman. Elle est là aussi. Fils, dans Garba, tu vas chier. Mais dis, ça va? Oui, ça va. Comment tu te sens? Oui, ça fait. Je sens que... Ça va. Parce que celui qui chiait, elle est parti. Yeah. Le démon là, il connaît pas WC. C'est dans Garba, il va chier. Qui m'aime pas Garba? Garba est trop dur, toi. Tes fesses là, tu vas mettre dedans. Sorcellerie, c'est pas ça fait sorcellerie là. Sinon toi-même là, tu gérais. Hein? Quel Ivoirien qui m'aime pas Garba? On appelle ça Ségué. Hey, tu attrapes ça, tu manges, tu es content. C'est ça, tu vas mettre beau dedans. Ah, petit. Heureusement que Dieu t'a pardonné. Ton beau dedans, Bouignini. Ah. Heureusement. Ben, que Dieu vous bénisse, que vous fortifie. Ouais. C'est du passé. Voilà. Voilà, c'est du passé. Ben, la vie continue. C'est demain qui est plus important. C'est votre vie maintenant. Et je sais que Dieu, quand il commence quelque chose, il achève, il va vous restaurer, il fera le reste, parce qu'il a commencé, il achèvera son travail. Que Dieu vous bénisse, et soyez bénis, vous recevez toute la bénédiction, monsieur, tout ça, soyez bénis. Allez vous asseoir. Merci.
On va prier pour vous maintenant, d'accord? Il y avait une fille de 15 ans là. Est-ce qu'elle est prête pour parler, pour qu'on l'aide? Oui, papa. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sorcier. Tu es sorcier? Oui, papa. Qu'est-ce que tu fais? Je garde vie des gens. Hein? Je garde vie des gens. Tu gardes la vie des gens? Oui, papa. Tu as gardé la vie de qui? Mon papa. Oui, il est. On dit papa, et puis maman est venue. Voilà. La fille dit papa. Et puis maman est venue. C'est papa seulement t'a gâté. Avec ma grande soeur. C'est qui est venue là, c'est qui? C'est maman. Elle vient pourquoi? C'est monsieur là qui est ton papa? Oui, papa. Tu as gâté quoi? Son argent. Comment tu as gâté l'argent? S'il me donne l'argent, il met ça à un coin là-bas. Hein? Et puis, il y a Canary là-bas, si elle parle, il a dit si mon père gagne l'argent, tout rentre là-bas. C'est tout ce que tu as fait sur lui? Oui, papa. Tu ne lui as pas donné maladie? Il lui a donné maladie. Mais, ouais, pourquoi tu dis oui? Tu as donné quelle maladie à ton papa? Il a enlevé son cœur. Ah oui? Quelle? On dit pas qu'elle est. C'est parti. Comment tu as fait? Il m'appelle Kanko Christelle. Comment t'as nommé Kerl? La nuit, je suis venue appeler son nom Kerl. Hein? La nuit, je suis venue appeler son nom trois fois, puis j'ai pris son âme. Tu as pris son âme, ok. Et maintenant, comment tu as pris le cœur? Il a enlevé. Et tu as mis ça où? Il a mis ça dans le canari. Et pourquoi? Est-ce que on garde ça dans le canari? Pourquoi tu peux garder un cœur dans le canari? Pourquoi? Papa, il a mangé ça. Tu as mangé? Oui, papa. Mais pourquoi tu dis que tu as gardé dans le canari et après tu dis que tu as mangé? Pourquoi tu expliques? Et donc, comment on fait? Il va mourir, c'est ça? Oui, papa. Il va mourir quand? Le 8. De quoi? Vous étiez là dans la fête. Vous étiez là. Le 8 août. Elle parle pas bien? Le 8 août. Août? C'est ça? Oui, papa. Donc, c'est un cadavre ambulant pour image comme ça. Il est mort. C'est ça? Oui, papa. Les yeux ont dit que tu es mort. Hein?
La mort sera donc dans le rendez-vous. Qui l'a attrapé? Tu dis, monsieur Norbert, demain à 11h, il vient chez toi. Tu as déménagé? Oui, monsieur Norbert, donne-moi ton numéro de téléphone. Je vais t'appeler, il va te chercher. Vous voyez, est-ce que c'est moi qui t'a demandé de parler? Non, papa. C'est vrai que tu as mis, mais tu mords ton papa en sorcellerie, tu le manges, tu le mords, tu bois son sang. Tu fais pas ça? Je fais ça. Mais pourquoi tu dis pas ça? Mort, tu bois comme vampire. Oui, papa. Ah, c'est pas vous qui êtes venu mercredi là. J'ai dit là, c'est vous. Pas chanteur. C'est quoi, tu dis, ah non, je ne suis pas sorcier. J'ai dit, je mets mon doigt au feu. C'est pas elle. C'est elle. Ah, tu parles. Pourquoi tu niais toute la dernière fois? Pourquoi? On dit que papa a dit. On dit que c'est qui? C'est la petite soeur de Mélika. C'est elle qui t'a donné son sourire. Oui, papa. Vous êtes combien dans vos groupes? On est trois. Ici, on est déjà à 23h. Hein? Mon père, ça file comme ça. Vous êtes combien dans vos groupes? On est trois. Toujours quel rôle? Je garde la vie des gens. Tu as tué combien? Il n'est pas encore tué. Donc c'est ton papa qui a tué là. Oui, papa. Comment ils t'ont mis dans la sorcellerie? Ils m'ont donné pain. Ils m'ont donné pain maintenant la nuit. Les deux sont venus. Que pain que j'ai mangé, que c'est pas pain, que c'est viande des gens. Quels deux sont venus? Hein? Quels sont les deux qui sont venus? C'est grand frère de mon père et grand soeur de mon père. Mmh. Et puis on dit de donner ton papa. Oui. On dit eux attachés, mon papa, moi je n'étais pas encore né. Il dit quoi? On dit, la femme a dit qu'elle est attachée, mon papa, moi je n'étais pas encore né. Tu as quel âge? 15 ans. Et donc c'est toi qui vas tuer? Oui, papa. Mais quelqu'un qui est attaché, pourquoi il ne tue pas? Il dit que lui, moi, pas mon papa. C'est toi qui moins. Vous venez d'où? Awanou. C'est où là? C'est vers Abidjan. Qui vous a parlé de vous? Ton micro. Comment tu es venu au centre? Bon, comme interprète, quand même, on a fait de la canne. Allô? Ok. On traduit, pasteur. On fait les gens entendre en même temps.
Non, il a compris. Mais toi, tu traduis en français. Mets une phrase quand même. Vous parlez que là. Non, le pasteur va traduire en français. Il est d'accord. Fort. Pasteur, il va traduire en français. Il dit quoi? On a parlé mardi avec notre boulot de mardi. Donc, allez le cours en là. Il dit que lui-même, il ne se sentait pas bien. Et sa fille aussi, son bras lui faisait mal. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils sont venus ici. Qu'il ne se sent pas bien, il ne comprend pas sa vie. Est-ce qu'elle peut changer? Est-ce que tu peux changer? Oui, papa. Comment tu te sens maintenant, monsieur? Tu t'as farine. À qui l'a dit tout? Bon, nous t'as promis avec Dimi. Il dit sa tête lui fait mal. Bon, du souni. Son cœur là. En école. Et puis ses reins. Avec Dimi, qui a dit qu'à scène fort. Ses reins lui font mal et puis ça descend dans ses pieds. Bon, nous t'as rien à payer avec rien. Il voit pas bien, il voit flou. Bon, nous t'as accru, nous t'as rien. Bon, dans ton, son cerveau. Voilà, il oublie vite quand il fait. Quand on lui dit quelque chose, il oublie vite. Dieu va te guérir, d'accord? Amen. Voilà, c'est fini. Cœur là, ils vont vomir, ils vont. C'est fini, c'est Dieu va te guérir. Amen. Merci, papa. C'est fini ça. Merci. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Il te sait que ça mourir, c'est comme quelqu'un. Que bandit poursuit et puis va se cacher au commissariat. Ah, il est déjà arrivé au commissariat. Bandit va fuir. Bandit connaît la carte. Merci. Voilà un témoignage. Toi, Bandit, il faut rentrer au commissariat. Témoignage, tu vas rendre là, tu vas comprendre. Et pas dans ta tête. C'est comme ça pour vous. Dieu va te guérir. Donc, et puis parler. Tu veux délivrer la petite là. Tu veux délivrer? Oui, papa. Pourquoi tu veux être délivré? Il ne veut pas partir là-bas encore. Mais va, il y a bien. Il y a beaucoup comme ça, je voulais. Beaucoup va. Tu as fait la cuisine, tu as même beaucoup qui mangent là-dessus pour manger. Tu laisses bien d'ici, c'est bien de là-bas manger. Et quand tu bois, c'est beau comme des gays. Demain, tu n'es pas délivré. Demain, quelqu'un va venir t'embrasser. Toi, va aller salon. Mais c'est la vérité. Ah, chérie, je t'aime. Bisous. Bisous, la langue est partie. Le lendemain, il est bobo. Il s'en fout. Il s'est quitté dans tous les bâtiments. Ça va aller tout le monde. Dans l'hôtel, chercher la langue de Dieu. Bisous, chérie, bisous. Bisous, la langue, ta langue est partie. Ça va. Moi, ça va être qu'à qui tu veux. Tu veux. Pas que sorcellerie, on dit ces bonnes choses. Tout ce qui est dans la salle, ceux qui peuvent se tenir debout, je prie pour vous que la main puissante du Saint-Esprit se manifeste dans votre vie, que la gloire de l'Esprit de Dieu se manifeste, que la main puissante de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Pour ceux qui sont malades, je prie que la guérison s'empare de vous, que le miracle de la délivrance s'empare de vous dans le nom de Jésus-Christ. J'échappe tous les esprits de la maladie et je vous communique la puissance de la guérison. Si tu as la foi, dis Amen. Amen. Dieu vous délivre, recevez la guérison et recevez le miracle de Dieu dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Allez, soyez bénis. Amen. Amen.